Histoire de sentier vous est présenté par la Fédération québécoise des clubs quad. Yamaha. Et par Textron Off-Road. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, c'est moi-même qui vous présente l'émission puisque notre chum Philippe est déjà en tournage sur d'autres projets. Mais soyez sans crainte, il sera de retour la semaine prochaine. Cette semaine, on part du Rabaska pour s'en aller du côté de Parent avec notre chum Danny Gagnon, une randonnée qui avait bien hâte de vous présenter puisqu'il a amené un invité assez spécial que ça fait longtemps qu'il voulait lui faire découvrir la région de Parent. Bonne émission. Rencontré au Rabaska, puis t'es venu faire du bateau, puis toute l'équipe. Puis le soir, en prenant un verre, puis en discutant, bien, on comptait nos aventures de parents, puis ça, puis il disait, hey, j'aimerais ça aller là. Pendant une de nos nombreuses discussions, il se vantait de ce périple dans le Nord. Puis moi, j'ai dit, bien, j'aimerais bien ça faire ça, un, pour voir si c'était vrai, puis deux, surtout pour vivre l'aventure. Il dit, ouais, OK, on va vivre ça à un moment donné. Elle me lâchait pas, à tout bout de champ, elle m'appelait, elle disait « Quand est-ce qu'on va parent? Quand est-ce qu'on va parent? » Fait que puis ça m'a donné, je l'ai revu comme un an après. Elle dit « Hey, elle dit, tu m'avais dit que tu vas m'amener à parent. » Elle dit « Faut que tu m'emmènes à parent. » Fait qu'en fin de semaine, ben, on emmène Michel à parent. Alors, ce moment donné était hier. Et j'étais très, très fatigué parce que la journée d'avant, j'ai pratiquement pas dormi d'énervement de faire cette journée-là. Une condition cette année avec la COVID, on a, même moi, c'est mon métier, puis j'ai pas pu sortir autant, moins d'essais, moins de choses. Fait que quand Danny m'a parlé du voyage, moi, ça a fait comme, ah oh ouais, je suis là. J'ai encore un fond de décor, fait que j'aime bien ça rouler avec la gang, fait qu'il faut pas en manquer une. Par rapport à l'FED, je suis une grande amie, dans le sens que c'est mon client depuis maintenant 3 ans. Alors, je les aide au niveau des communications numériques, au niveau de la stratégie web, au niveau même de la stratégie d'affaires. Alors, je suis quand même assez impliqué auprès du CA de la Fédération. Thank you.
à l'hôtel à soir. C'est là qu'on couche. C'est soirée aventure. Au Rabasca, ils nous ont dit, passe-là, ils sont en train de faire le pont du Butor. C'était un pont qui était très important parce que ça coupait des boucles estivales. Puis bien, l'hiver, ça permet de se rendre dans le sentier coureur des bois puis pour monter de plus haut dans le nord. Donc, c'est le fun parce que là, Martin au Rabasca, il nous dit, bien, ils sont en train de le faire. Fait que tu devrais aller voir ça. Fait qu'on a passé là. On a vu des gars en plein travaux. On a eu l'occasion de prendre des images. C'est le fun parce que, tu sais, des infrastructures comme ça, il y en a plein au Québec. On passe dessus partout en VTT, puis on s'en rend pas compte, ça. Mais des infrastructures comme on a vu hier, un pont de même, c'est 150 000 $. C'est beaucoup d'argent. Puis c'est pas évident parce que c'est pas évident à construire parce que ces ponts-là, là, malheureusement, ça se finance pas. Une femme qui aime le VTT depuis, ça me rajeunira pas, mais depuis presque 35 ans. Je faisais du véhicule hors-route dans le temps qu'on appelait ça des trois-roues. Puis il y a tellement de monde qui se sont pété la gueule avec les trois-roues que finalement, ils ont dit on devrait peut-être en rajouter une quatrième. Alors c'est ça, c'est un sport que j'ai fait depuis longtemps. Et puis pour les gens qui se demandent comment ça qu'il y a des femmes qui font du VTT. Hier, on a rencontré Sylvie Lachapelle, qui depuis 25 ans est la présidente du club de VTT. Et son CA est composé strictement de femmes. Alors, c'est quand même impressionnant. Oui, il y a beaucoup de femmes qui aiment les sports motorisés et la nature et les grands espaces et la beauté spectaculaire qu'on a rencontrée tout le long de notre périple de 250 km en VTT. Hier, on a passé à côté d'un barrage de castor. T'sais, quand tu passes dans une trail à côté d'un barrage de castor, tu comprends le travail formidable qu'un castor peut faire parce que toi, tu passes au pied d'un mur de 6-7 pieds de haut qui retient de l'eau. C'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, en ville, on a beau être des marcheurs ou des gens qui vont en forêt, on ne voit pas ces éléments-là. Bien, la journée d'hier, il nous annonçait beau. Finalement, hier, on a eu un mix, nous. On est parti l'automne, on est arrivé l'hiver. On a roulé sur différents types de terrains. Je pense qu'on a passé par toute la gamme des émotions puis des conditions possibles de mère nature, de soleil à super le fun, pas trop froid, à il fait frais en tabarouette. Mais disons que quand on est arrivé, là, à Parent, il était temps qu'on arrive parce qu'on était tous gelotés puis bouillis. En circulant, en montant vers le nord, on a parti avec de la pluie, on a eu de la grêle, on a eu de la neige, on a eu de la pluie, on a eu... Tu sais, puis en période hivernale au Québec, là, c'est pas rare de vivre les quatre saisons, tu sais, pluie, verglas, neige, c'est pas rare. Puis hier, on était vraiment dans une journée comme ça. Il y a un bout qu'on n'a peut-être pas filmé, mais qui m'a particulièrement impressionné. C'était vraiment en forêt. La piste était pratiquement inexistante. Il n'y avait rien que deux rails de tire. Et on longeait une rivière. C'était de toute beauté. Thank you.
Ben, j'ai déjà une machine. Moi, j'ai une Polaris 850. Mais évidemment, on m'a prêté côte à côte. Et je commence à apprécier aussi le côte à côte. La différence, c'est que le VTT traditionnel 4 roues, là, c'est beaucoup plus sportif. Le côte à côte est beaucoup plus confortable. On a un peu comme l'impression de faire du go-kart de luxe en pleine forêt. Puis les performances sont quand même assez spectaculaires. Évidemment, ça dépend toujours du terrain. Là. Pour les techniques de conduite, là, comme on dit, c'est du sport. Et les gens qui ont l'impression que faire du VTT, c'est pas vrai que c'est un sport. Moi, je peux vous dire que faites 250 km. Là, si vous n'êtes pas fatigué après, vous avez vraiment des capacités physiques extraordinaires. C'est du sport, ce type de conduite-là, que ce soit en VTT traditionnel ou que ce soit en côte à côte. On est à quai ici. Une piste d'atterrissage dans le milieu de nulle part de 2,5 miles de long, 3 pieds d'épaisseur de béton qui ont été faites dans les années 60. Il n'y a pas une craque. Alors, il y a des phénomènes étranges comme ça qu'on trouve un peu partout au Québec. Si vous allez sur la télévision, Internet, là, vous allez sur Crave, vous pouvez voir le documentaire de Raymond Boulanger qui a atterri ici avec un avion avec 4 tonnes de cocaïne. Puis c'est le fun parce que la randonnée qu'on fait aussi, ça nous permet de tester des pneus. Donc, en voulant tester des pneus, bon, on a tombé dans des conditions de neige. On est dans la neige en haut, c'est cool, parce qu'on est vraiment sur la fin de l'automne. Ma passion est telle pour le quad puis pour les côtes à côte que j'ai voulu créer des pneus. Donc, il y a deux véhicules ici que c'est des pneus que j'ai conçus. Donc, celui-là, c'est un pneu d'hiver. Pneu d'hiver pour quad. On est à l'aéroport de Casey, un ancien aéroport dans le temps de NATO, puis de militaire, puis de guerre froide. Fait qu'on est ici. Puis justement, bien, là, on va tester les pneus sur la glace. Arrête de jaser, là. Ben oui. On s'en va essayer les pneus. Ben oui, on va aller essayer les pneus. We'll be right back.
c'est super le fun. On a fait une belle randonnée. On a monté par le sentier des coureurs des bois. Vraiment, un sentier bien signalisé. Ça a super bien été tout le long. Là. Des flèches, tout, super facile. De l'essence en montant. Vraiment, là, une randonnée sans problème. Par moments, j'avais l'impression de vivre dans un jeu vidéo ou faire une espèce de rallye Paris-Dakar, mais en plein nord québécois. C'est une expérience extraordinaire que je conseille fortement à tout le monde. Michel, c'est une super fille, elle suit, elle est bonne, puis je pense qu'on va la ramener. Merci à Dany, merci. Merci à la Fédération. Merci aux gens qui payent pour aller dans les sentiers. Il y a 25 000 km de sentiers au Québec. Puis c'est pas tous les propriétaires de VTT qui payent pour aller dans les sentiers. Puis ce que les gens comprennent pas, c'est que ces sentiers-là, s'ils sont beaux, c'est parce qu'il y a des machines qui coûtent 450 000 qui passent dans les chemins pour les égaliser, pour les entretenir. Puis il y a du monde qui font le travail d'entretien de ces 25 000 km-là, ça serait peut-être bien qu'il y ait des gens qui réalisent ça et qui arrêtent de se promener gratuitement sur les sentiers et qui payent leur petite part annuelle pour l'entretien qui est d'un des joyaux du quad dans le monde. C'est malheureusement la fin pour Histoire de sentier cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Soyez des nôtres la semaine prochaine puisqu'on commence notre essai du CF Moto Z950, un véhicule qu'on a bien hâte de vous présenter à l'émission. Si vous avez la chance de rouler en sentier cette semaine, s'il vous plaît, soyez prudent et habillez-vous chaudement. Histoire de sentier vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad. Yamaha. Et par Textron Off-Road.